Non, mais j'arrive pas à croire. Rose, elle a un amoureux. Alors là, elle va m'entendre. Attendez, qu'est-ce qu'elles se disent? Quoi? Rose est en train de pleurer? Mais pourquoi? En plus qu'elle m'a caché une chose très grave, et en plus, elle pleure. Je comprends plus rien. Non, mais c'est bon, c'est mort. Il répond même plus. Lorsque je lui appelle ou je lui envoie des messages, je suis triste. Ça va aller, Rose, calme-toi. Faut pas que maman et papa te découvrent dans de tels états. Et d'ailleurs, ils sont où les chats encore une fois? Ah, mais vous êtes là? Oh oh! Rose, viens voir, regarde ce qu'ils ont fait. Hein? Ok, j'arrive. Je crois qu'il faut tout ranger. Si nos parents voient une maison comme celle-ci, ils vont nous sortir de cette maison. Rose! Oui, je dois nettoyer. J'arrive. Ok, vas-y. Pauvre Rose. Je peux la comprendre. C'est quoi? Avoir un cœur brisé. Moi aussi, j'ai eu un cœur brisé. Mais maintenant, je suis très contente avec mon chat, Mercredi. Toi aussi, Rosie. Viens ici. Finalement, maman avait raison. S'occuper de deux chats, c'est vraiment très difficile. Bon, allez, on prend tout ça. Et on va nettoyer. Allons-y. Camilla, pour toi. Merci, Rose. Moi aussi, je vais nettoyer. Allez, les chats, ne nous dérangez pas trop. On est en train de nettoyer. Ah bah finalement, tout va bien. Elles ont compris qu'il fallait nettoyer et ranger la maison. Cool. Finalement, c'est des filles très responsables. J'en suis fière de mes jumelles. Mais par contre, je veux toujours découvrir la vérité sur Roméo, le boyfriend de Rose. Bon Mia, je vais nettoyer et toi pendant ce temps-là, fais la vaisselle. Ok. Et vous les chats, venez avec moi. Vous allez prendre une douche. Mettez-vous ici. Et pas de bêtises, d'accord? Moi, je vais ranger et faire la vaisselle. Oh, ça, je peux manger. Et tout ça, c'est à laver. Oh, de ce côté-là aussi. Tu fais une assiette ici. Bref, je range tout ça. Franchement, c'est les chats qui ont fait tout ça, pas nous. Allez, ça, je ferme. De ce côté-là aussi. Tout ça, ça va au frigo. Oups. Allez. Voilà. Ensuite, on va ranger tout ça. C'est à laver aussi. Les verres aussi. Hop. Oh, il y a du lait. Alors, voilà. Et c'est bon. La table est rangée. Et maintenant, je vais laver tout ça. C'est parti. Bon, eh bien, lavons le sol. Voilà. C'est presque fini. Tada! C'est propre. Ensuite, nous allons poser ceci ici et faire le nettoyage du salon. C'est parti. Ah cool, elles font le ménage. Trop bien. Finalement, elles sont bientôt devenues des adultes. Je pourrais les laisser à la maison très souvent seules. Enfin, s'il n'y a pas de Roméo, bien entendu. Ça y est, c'est propre. On va ranger maintenant tout ça. Et ensuite, on fait ça, et voilà, c'est bon, tout est propre. Oh, sauf ceci. Les chats, je crois que c'est à votre tour de prendre une douche. Venez, hop, on y va, dans la salle de bain. Rose, n'oublie pas d'apporter la serpillière à l'étage. Ok, Mia, allez, venez avec moi. Le shampoing ici, ça aussi on pose ici, et vous les chats, vous vous mettez ici. Oups. Alors, c'est parti. Voilà pour toi, Mercredi. Un peu de douche. Ouh. Je sais que vous n'aimez pas ça. Mais ça y est. Vous êtes propre. La serviette. Et on se brosse un petit peu. Voilà. Ça y est. Vous êtes propre. Et maintenant, vous pouvez aller jouer. Ok, les chats? Vas-y, Mercredi. Tu peux partir. Rosie veut que je reste avec elle. Ok, tu sais quoi? Viens avec moi. Toi, t'adores les câlins. Oh, j'ai oublié. Il fallait mettre ça aussi dans le frigo. J'ai faim. J'ai envie de cuisiner quelque chose. Rose, tu as faim? Oui, Mia, j'ai faim. S'il te plaît, prépare-moi quelque chose. D'accord. Oh, quelqu'un appelle. C'est qui? Je crois que c'est maman. Allô, maman? Tu vas bien? Et grand-mère? Oui, les filles. Mia, tout va bien? À la maison? Vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. Oui, maman, tout va bien. C'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien, j'arrive à la maison dans 2 minutes. Ça vous va? Finalement,
Je ne suis pas partie. Allez voir, grand-mère. Je m'inquiétais pour vous. Ah ok, maman. Bon bah vas-y, on t'attend. Bisous. Bon, Rose, bonne nouvelle. Maman, elle arrive. Quoi ? Déjà ? J'ai même pas fini de faire le ménage. Il y a tellement de choses à faire. Oh my god. Et ça, je vais poser où ? Ici, c'est bon ? Voilà, ça va ? C'est un petit peu présentable ? Oui, t'inquiète. Finalement, c'était les chats qui avaient mis le désordre. Pas nous. Nous, on est des adultes responsables. T'as peut-être raison. Bon, je vais aller poser tout ça à l'étage et ramener les chats aussi avec moi. Ça y est, j'ai un petit peu faim, mais c'est pas grave. Ah, les chats, vous êtes là. Donnez-moi ça, j'arrive. Alors ça, je pose où ? Oh, il y a de l'eau de ce côté-là aussi. On va nettoyer. Voilà, ça y est, c'est propre. On va ranger ça. Hop, et ça, c'est de ce côté. Attention, tu te mets ici, toi. Voilà, ça y est, tout est propre. Sauf ça, ça va pas ici. Je vais poser ça de ce côté. Et vous, les chats, venez avec moi. On y va en bas. Finalement, tout est bien rangé. Et Rose, arrête de pleurer. C'est pas grave s'il te calcule pas. Le plus important, c'est que toi, tu restes, bah, toi. Et que tu vois la vie tout en rose. Tu as raison, mais quand même, il aurait pas dû faire ça. Je lui ai juste appelé, c'est tout. Je devrais peut-être l'appeler de nouveau. Non, fais pas ça. Oui, Rose. Ne fais surtout pas ça. Maman ? Maman, c'est bon, t'es rentrée ? Oh, cool. Maman, du coup, tu es au courant à propos de Roméo ? Oui, je suis au courant. Tu n'aurais pas dû cacher tout ça. Tu es donc amoureuse, Rose. Mais t'inquiète, il faut juste que je rencontre ce fameux Roméo. Et tout ira bien. Il t'a pas parlé, c'est ça ? Oui, maman. Mais non, je peux pas le rencontrer. Ah bon ? Et pourquoi ? Eh bien, parce que pour l'instant, bah, c'est pas le bon moment. Je te le présenterai le moment venu. D'accord ? Oui, maman, pour l'instant, il n'est pas encore amoureux de Rose. Quoi ? Bah, c'est bizarre tout ça. Oui, maman, c'est bizarre. Bon, vous savez quoi, les filles ? Pas besoin de s'inquiéter. Je vais vous préparer quelque chose à manger et ensuite, on va faire notre night routine. C'est bon ? Et Rose, ne t'inquiète pas. Tout rentrera dans l'ordre. Je l'espère vraiment, maman. Bon alors, avant de cuisiner quelque chose, je vais aller me changer et porter quelque chose d'assez sympa. Ceci. Voilà. Avec les chaussons, ils sont où ? Je les ai encore rangés ? C'est pas possible. Mais, ah, ils sont là. Voilà. Je devrais aussi faire un peu de shopping parce que les vêtements que j'ai, ils sont un petit peu anciens. Donc, ça y est, j'enlève mon accessoire. Je vais le ranger et hop. Et on y va tout de suite aux toilettes. Je me lave bien entendu les mains. Et ça y est, je vais maintenant cuisiner quelque chose pour les jumelles. T'inquiète Rose, ne t'en fais pas. Tout ira bien. Maman l'a dit. Oui, heureusement que maman est rentrée. Je me sens un petit peu plus rassurée. Je n'ai plus peur. Et en plus demain, on a école. Il faudrait aussi faire nos devoirs. Oui, on les fait après avoir mangé quelque chose. Ok. Alors, je vais suivre le conseil de mes abonnés. Vous étiez très nombreux à m'aider pour ceci. Alors, je mets un peu d'huile d'olive. Ensuite, est-ce que j'ai une crevette ? Non, j'ai pas de crevette. C'est dommage. Alors, sinon, j'ai du riz. Et ensuite, vous savez quoi ? Vous m'avez conseillé du champignon avec le riz. Bon, vous êtes prêts ? On va essayer. Oh, ça fonctionne ! Merci en tout cas pour la personne qui m'a dit ça. Trop bien. Waouh ! J'aurai de nouvelles recettes. Et attendez, c'est pas tout. Je vais vous montrer. Vous allez voir une autre recette. Comme ça, vous aussi, vous allez découvrir en même temps que moi. Alors, la prochaine recette, c'est une pomme de terre, tiens. La pomme de terre qu'on attendait depuis très très longtemps. D'ailleurs, elle est où, cette pomme de terre ? Ok. J'en ai une ici. Hop. Ensuite, cette pomme de terre fonctionne avec la steak. Regardez-moi ça. Steak plus pomme de terre égale... Oh, waouh ! Trop cool. Merci en tout cas à vous. C'est grâce à vous que je fais de nouvelles recettes. Et les jumelles vont adorer ça. Alors, tu te mets ici. Ensuite, pour moi. Alors, vous m'avez conseillé un autre truc. C'est prendre une brioche. On va la chauffer. On va prendre une assiette. Ensuite, une fois que la brioche
est prête. On va prendre des fraises. En plus, j'avais une fraise ici quelque part. Oh, j'ai plus de fraises. Trop bizarre. Est-ce que je peux en avoir une autre? Attendez, j'arrose. Non, non plus. C'est trop bizarre. Ça veut plus fonctionner. En plus, j'ai pas de fraises dans le frigo. Donc, je comprends pas. Ça veut plus fonctionner. Attendez, ça, on va poser. Peut-être il faut que je l'arrose moi-même. Hop. Vous savez quoi? On va prendre ceci et on va aller dans le jardin. Let's go. Oh, ça tombe bien. Les filles aussi sont dans le jardin. Alors, vous savez quoi, les filles? On va faire pousser une fraise. Je sais pas pourquoi ça veut pas fonctionner avec celui-là. Hop. Allez, allez, vite. Ouh, ça y est. On m'a fait sortir une fraise. C'est cool. C'est ce que je voulais. Cool, maman. T'es trop forte. Oui, je sais. Alors, c'est reparti. Du coup, c'était ça plus la fraise. Hop, voilà. Merci beaucoup, les amis. Ça aussi, c'est grâce à vous. J'aurai mon dessert. De toute façon, j'avais pas trop faim. Donc, ça y est. Ça, c'est prêt. Et maintenant, on sort. Les verres, les jumeaux et Mani me manquent déjà. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que je suis avec les jumelles. Voilà. Ensuite, ça en pose. Hop, on va prendre du lait et de l'eau. Oh, ça, c'est cool aussi. On va poser ici, ici et ceci. Hop, ça y est, voilà. Un peu d'eau et c'est bon. Tout est prêt. Les filles, on peut commencer par manger. Je vous attends. Bon, on y va. Mercredi, tu restes ici. Tu joues avec Rosie. Allez, viens, Rose. D'accord, Mia, j'arrive. C'est bon. Maman, tu es devenue une master chef ou quoi? On peut dire ça. J'ai appris pas mal de choses ces derniers temps. Bon, les chats, amusez-vous. Hop, tu te mets ici. Je sens que je vais bien manger. Je peux me mettre ici, maman? Oui, tu peux. Allez, les filles, on mange. D'abord, c'est moi. Je veux manger mon plat. Les champignons, j'adore. Et moi, des frites. Et moi, un dessert. Trop cool. Bon les filles, je me débarrasse de la table et vous pendant ce temps-là, allez vous changer. Ok maman, on y va. Bon, moi, je vais prendre une douche. Eh bien moi, je vais prendre un bain. Ça y est, c'est bon. On se brosse les dents. Tout d'abord, je vais changer mes chaussures et ranger celles-ci. Hop. Ensuite, mon pyjama, il est là. Et voilà, c'est bon, je suis prête. Allez, je me change. En plus, on a pas mal de devoirs. Toi, tu te mets ici. Mon pyjama, hop, et hop. Oh, intéressant. C'est pas si compliqué que ça. Finalement, j'adore lire. Et la lecture, c'est ma matière préférée. Bon, eh bien, c'est bon. J'ai fini de faire la vaisselle. Et maintenant, c'est à mon tour de préparer ma night routine. Je me lave les mains, comme d'habitude, et aussi mon visage. J'oublie pas de mettre un gel nettoyant. Ensuite, je vais prendre une douche. Et ça, je pose ici. Alors les amis, vous avez vu, j'ai un nouveau pyjama. J'ai acheté le même que Mia. Vous étiez très nombreux à me demander pourquoi tu portes le même pyjama, Miss. Donc pour vous faire plaisir, j'ai un nouveau pyjama. J'espère en tout cas que My Night Routine vous aura plu. Vous savez quoi? Allons regarder tout de suite les jumelles. Ah mais j'ai oublié, avons-nous vu le journal d'aujourd'hui? Oh, let's go! Faisons vite ça et on se retrouve juste après. Moi pendant ce temps-là, je vais me démaquiller. Et voilà. Et me mettre un peu de parfum pour sentir bon. Bon, après, il faut que j'appelle Mani et je parle en vidéo à mes jumeaux. Ils me manquent déjà. Bon, allons voir les jumelles. Voici donc le dernier commentaire de la chaîne de Miss Queen qui s'affiche juste devant votre écran. Et les deux personnes à être abonnées à la chaîne s'affichent ici. Voilà.
Si toi aussi tu veux faire partie du journal de Miss Queen, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Allez, on passe pour la vidéo du jour. Alors les filles, ça va? Tout va bien? Vous avez pas besoin d'aide? Non maman, c'est bon, j'ai fini, c'était cool. Bonne nuit tout le monde, bonne nuit Rose. Bonne nuit Mia. Oui, bonne nuit Mia. Et toi Rose, ça va? Oui maman, ça peut aller. Merci en tout cas, tu t'es pas trop énervée lorsque tu as découvert que j'avais, enfin, à peu près un boyfriend. Pour être honnête avec toi, lorsque j'ai découvert ça, j'étais un petit peu en colère. Ou même beaucoup en colère. Mais ensuite, j'ai découvert que tu étais vraiment sincère et que tu étais triste. Donc, en gros, Rose est amoureuse. Je sais pas si on peut appeler ça de l'amour. Mais il est cool comme garçon. Je te le présenterai un jour. Tu verras, toi aussi, tu vas l'adorer. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Bon, mes jumeaux, vous me manquez déjà. Allez, il est temps pour moi d'appeler les jumeaux. Et ensuite, je vais dormir moi aussi. Alors, c'est parti. Hop, je porte mes lunettes. Coucou les jumeaux, c'est maman. Je vous ai pas manqué, je vous manque. Pour une fois, c'est votre papa qui s'occupe de vous. Oui, on a hâte de rentrer à la maison. Et maman, elle va bien? Oui, oui, elle va bien. Regarde, elle veut te parler. Miss, ma chérie, tu vas bien? Oui, maman. Et toi, ça va mieux? Désolée, j'ai pas pu venir à cause des jumelles.